Merci à Mylène et à l'équipe départementale, à Laurent, à Michel, aux élus, aux cadres de la fédération. Et merci bien sûr à vous tous de votre présence ce soir pour ce moment qui est un moment de mobilisation, de remobilisation militante, qui est un moment de convivialité aussi où eh bien, c'est l'occasion pour nous de fêter une tradition bien française qui est le Beaujolais nouveau. Et plus au-delà, merci de votre engagement au Front National. Merci de la solidité de cet engagement qui fait que, y compris dans des périodes un peu difficiles où les déceptions se sont mêlées au succès, eh bien, vous êtes présents et c'est à cette solidité, à cette pugnacité, eh bien, qu'on mesure la qualité d'une communauté militante que nous formons. Nous sommes aujourd'hui au lendemain d'un cycle électoral qui a été particulièrement dense et déjà à la veille de nouveaux chantiers, de grands défis et à l'avant-veille de nouvelles batailles électorales. Donc l'heure n'est pas au repos, l'heure est à la réflexion, l'heure est à l'analyse tactique avant de reprendre le chemin du combat parce que toutes les raisons qui font notre engagement militant, toutes les raisons qui justifient l'existence du Front National, eh bien, elles n'ont malheureusement pas disparu, c'est-à-dire que plus que jamais, la France et les Français ont besoin de nous. Ce cycle électoral de 2017, il a apporté à la fois, si on le remet en perspective, de vrais succès incontestables. Un Front National qui, d'abord, a connu une croissance dans les années précédentes, 2000 élus locaux, aux élections municipales, aux départementales, aux régionales, dans toutes les régions de France, dans tous les départements de France, et c'est bien le cas ici dans l'Oise, où nous avons enregistré de magnifiques succès, y compris d'ailleurs avec des victoires au départemental, au scrutin majoritaire. Et en même temps, et bien 2017, ça a été une nouvelle étape de progression, 11 millions de voix à l'élection présidentielle. Mais c'est vrai que le deuxième tour de la présidentielle et des législatives ont été souvent décevants, pour nos électeurs, pour ceux qui espéraient en une victoire, qui espéraient en des résultats encore plus élevés, et nous devons bien sûr entendre ce message. Nous devons entendre ce message parce que lorsque l'espoir est immense, eh bien forcément, la déception, elle peut être forte aussi, elle peut être vive aussi. Mais, mes chers amis, dans le combat électoral, dans le combat politique, eh bien nous avons connu dans le passé déjà des périodes de croissance, de succès, et aussi des périodes de déception. Et dans le chemin qui nous sépare de nos futures victoires, eh bien, nous aurons aussi à la fois, sans doute, des périodes de succès et aussi des déceptions. Il faut l'accepter, ça fait partie du combat. Mais la période actuelle, eh bien, c'est justement le moment de réfléchir à l'essentiel, c'est-à-dire à la fois au projet que nous défendons, aux raisons profondes de notre engagement et à la manière aussi de présenter notre combat, de présenter notre projet pour être encore plus attractif et encore plus rassembleur dans le futur, et notamment à l'occasion des futures batailles électorales. Alors, je vous appelle aujourd'hui, comme l'ensemble des dirigeants, des cadres du mouvement, eh bien, à la fois à l'unité et aussi à la mobilisation, parce que les Français ont besoin de nous. Ils ont besoin d'un Front National fort pour les défendre face à la politique de Macron. Et au deuxième tour de la présidentielle, les Français ont clairement désigné Marine Le Pen comme l'opposant principal, comme le Front National, comme la principale force d'opposition. Et ceux qui essayent de nous contester aujourd'hui ce rôle, eh bien, ils ont été écartés dès le premier tour de la présidentielle. C'est vrai pour les Républicains, c'est vrai pour la France insoumise. Donc nous ne devons avoir aucun complexe. Les Français nous ont désignés pour porter, pour non seulement être l'opposition solide à Macron, mais aussi pour porter un projet alternatif. Parce qu'être une véritable force d'opposition, ça ne consiste pas simplement à rentrer sans cravate dans l'hémicycle. Ça ne consiste pas simplement à lever le poing devant l'entrée du Palais Bourbon. Ça consiste à être capable, sur tous les sujets, à la fois de délivrer une analyse de la politique du gouvernement et ensuite de faire une proposition. Et la force que nous avons, eh bien, c'est à la fois la constance dans les idées que nous défendons, pour restaurer l'identité de la France, assurer la sécurité des Français, rétablir la prospérité économique, constance dans ces engagements-là, et cohérence dans l'ensemble du projet que nous défendons. Et là, nos adversaires, eh bien, évidemment, n'ont pas du tout cette cohérence. Il n'y a qu'à voir, s'agissant des Républicains,
la distorsion absolument spectaculaire à laquelle faisait tout à l'heure allusion Mylène, entre par exemple ce que dit Laurent Wauquiez à Paris et ce que votent les députés des Républicains à Strasbourg et à Bruxelles. À Paris, on est contre l'immigration, à Bruxelles, on est pour l'immigration. À Paris, on parle de protection économique, avec quelques prudences de jeunes filles. Mais par contre, à Bruxelles, on vote le libre-échange généralisé. C'est-à-dire qu'en toutes circonstances, ces gens-là ne pensent pas aux idées qui sont bonnes pour la France, aux mesures qui sont nécessaires pour le bien commun et pour l'intérêt du pays. Ils ne pensent qu'à une chose, c'est à ce qui est le plus rassembleur, le plus mobilisateur électoralement, pour rester au pouvoir, revenir au pouvoir, s'agréger au pouvoir, parce que finalement, c'est leur seule raison d'être. Et mes chers amis, c'est ce qui nous différencie fondamentalement d'eux. Nous, si nous sommes engagés, si nous sommes présents ce soir, si nous sommes, quels que soient les résultats électoraux, qu'ils soient très bons ou parfois plus décevants, si nous restons fidèles à notre engagement, c'est parce que nous savons que les idées que nous défendons, elles sont bonnes pour la France, et que si nous ne faisons pas le travail, personne ne le fera à notre place. Et il est évident qu'aujourd'hui, les Français sont lucides sur Macron. Certains ont cru que ça allait être un vrai changement, un président plus jeune, le jeu des partis qui était bouleversé. En réalité, Macron, ça n'est pas le rejet de la droite et de la gauche, c'est la synthèse du pire de la droite et du pire de la gauche. C'est-à-dire qu'il a réussi à fédérer, peut-être pour la dernière fois, les forces du système qui finalement se ressemblent tellement qu'elles s'assemblent, et qui finalement ont réussi à s'agripper à nouveau au pouvoir pour 5 ans en menant une politique qui en toutes circonstances va à l'inverse de tous les intérêts les plus vitaux de notre peuple. Et on le voit d'ailleurs depuis quelques mois, les Français ne sont pas dupes. Si Macron a perdu 25 points dans les sondages pendant l'été, c'est précisément parce que les Français, après la torpeur estivale, se sont rendus compte, bien sûr, que eh bien, dans tous les domaines, il allait servir les intérêts de la catégorie qui l'a mis en piste et l'a fait élire au détriment du peuple. On le voit en matière migratoire, où on ouvre grand les frontières. Il félicite Merkel d'avoir accueilli des millions de migrants. Les électeurs allemands, eux, n'ont pas félicité Merkel d'avoir accueilli des millions de migrants. Il organise la dérégulation économique totale, la suppression de toutes les protections. Il veut faire le fédéralisme à marche forcée. C'est-à-dire aller encore plus loin dans la logique d'une Union européenne, encore moins démocratique et dont les orientations politiques nuisent à nos intérêts les plus essentiels. Et puis, en matière fiscale, on a vu aussi son projet. Son projet, ça n'est pas un projet juste de justice fiscale, de justice sociale, c'est exactement le contraire. On frappe toujours plus durement les classes populaires et les classes moyennes au bénéfice d'une toute petite catégorie, ceux qui ont une conception purement financière de l'économie et qui méprisent l'économie réelle. Et là, sur la fiscalité, on voit bien la divergence de philosophie entre Macron et nous. Nous, ce que nous défendons, c'est une fiscalité qui soit la plus modérée possible sur les revenus du travail, raisonnable sur le capital, et notamment sur le capital immobilier, et beaucoup plus forte sur la mobilité des capitaux, c'est-à-dire la spéculation. Et bien Macron, c'est exactement le contraire. On augmente massivement la CSG, non pas sur les grosses retraites, comme il disait, mais sur toutes les retraites à plus de 1200 euros par mois. On voit bien que Emmanuel Macron et ses équipes ne savent pas ce que c'est que de vivre avec 1000, 1200, 1400 euros par mois, avec les frais médicaux en particulier pour les retraités qui sont toujours plus élevés. Et puis, on supprime l'impôt sur la fortune s'agissant du patrimoine immobilier, mais par contre, pour ceux qui ont des yachts ou des titres en bourse, ils sont totalement exonérés. Voilà, donc on voit bien que derrière tout ça, il y a toujours la même volonté de frapper durement, de demander des sacrifices supplémentaires aux classes populaires, aux classes moyennes, qui n'ont qu'un seul droit en France, payer, subir et se taire. Eh bien, notre vision politique, elle est à l'opposé. Nous voulons remettre le peuple au cœur de toutes les décisions politiques, servir l'intérêt général, ne pas en permanence opposer les uns aux autres, comme ils savent si bien le faire. Nous, quand on défend l'économie réelle, c'est toute l'économie. C'est pas les salariés contre les patrons. Parce que aujourd'hui, les ouvriers, les salariés, les cadres et les patrons de TPE-PME, ils sont exactement dans la même situation, dans le même bateau, si je puis dire. Ils ont les mêmes intérêts, ils défendent à des étages différents l'économie réelle, et ils sont face à ceux qui ont une conception purement financière de l'économie, qui utilisent les outils de production et les salariés eux-mêmes comme des variables d'ajustement, avec un seul objectif, faire toujours plus de profit.
Eh bien, on voit là qu'il y a une différence absolument essentielle, et puis on voit aussi que la politique menée par Macron et par son équipe, eh bien, elle ne produit aucun fruit positif. Ils sont toujours arc-boutés vers l'objectif unique de croissance. Ils sont contents quand on gagne un point, 1,5, 1,8 point de croissance, mais la réalité, c'est qu'on a, même quand on a une croissance qui s'améliore légèrement, ça n'empêche pas le chômage d'augmenter, parce que c'est une petite catégorie qui est bénéficiaire de la politique qu'ils mettent en œuvre. Et sur le front du chômage, sur le front du pouvoir d'achat, eh bien, la situation ne cesse de se détériorer. Avec Macron, ministre de l'économie, il y a eu 400 000 chômeurs de plus. Avec Macron, président de la République, on a déjà eu 70 000 chômeurs de plus. Et on voit bien que la situation est dramatique. On a 9 millions de pauvres en France, de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et bien on voit que dans toutes les mesures qu'il a prises depuis le début de son quinquennat, aucune n'est à destination de ces Français qui souffrent, souvent dramatiquement. Et quand je dis dramatiquement, c'est au sens littéral du terme, parce que s'agissant par exemple de nos agriculteurs, ils souffrent tellement du marasme, tellement des accords de libre-échange qui les mettent en situation de concurrence déloyale, contre laquelle ils ne peuvent pas lutter, qu'aujourd'hui, eh bien, il y a un agriculteur français tous les deux jours qui se suicide. Et cette réalité tragique, elle est à elle seule une motivation pour reprendre le chemin du combat, pour continuer notre combat politique, parce que 2017 nous a permis d'atteindre un nouveau niveau, un niveau encore plus élevé, un nouveau record. Eh bien, nous devons poursuivre dans cette voie-là, parce que encore une fois, si on ne le fait pas, eh bien personne ne le fera à notre place. Si nous ne sommes pas là pour dénoncer ces politiques folles du gouvernement, il ne faut pas compter sur les Républicains pour le faire. Les Républicains dont on voit bien qu'ils sont tous à des degrés divers, plus ou moins ralliés au macronisme. On a toutes les nuances du macronisme chez les Républicains. Vous êtes ceux qui sont déjà ralliés à Emmanuel Macron, ils sont au gouvernement avec lui. C'est Bruno Le Maire, c'est Édouard Philippe. Il y a ceux qui rêvent tous les matins en se rasant de rentrer au gouvernement. Les Thierry Solaire, etc. Et puis il y a ceux qui sont chez les Républicains autour de Hockey, qui voudraient faire croire aux Français, par des numéros de passe-passe sarkozystes, qu'ils défendent une autre vision politique. Mais quand on regarde les députés, les Républicains, je ne parle pas des constructifs, hein, les 100 Républicains à l'Assemblée nationale, bien 80 d'entre eux n'ont pas voté contre la confiance au gouvernement. Ça montre bien que finalement, ils ne savent même pas pourquoi ils ne sont pas avec Macron. Finalement, c'est sans doute par attachement à la structure politique dont ils sont membres, mais ce n'est pas pour des raisons de fond, ce n'est pas pour des raisons de conviction. Et d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux le reconnaissent, ils disent « Ah ben oui, mais les mesures qu'ils prennent, eh bien, on aurait dû avoir le courage de les prendre. » Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont exactement sur la même ligne politique, pour défendre toujours les intérêts des mêmes, les chouchous d'en haut et les chouchous d'en bas. Les banquiers, ceux qui ont une conception financière de l'économie d'un côté, les chouchous d'en haut, et puis tous ceux qui créent une injustice insupportable en France, ceux qui ont fait venir massivement dans notre pays, les immigrés légaux, les immigrés clandestins, qui bien souvent, et vous le savez, sont mieux traités que les Français. Et ceux-là, ils continuent de bénéficier de la générosité du gouvernement. La première mesure hautement symbolique qu'a prise Macron et son gouvernement pendant l'été, ça a été à la fois de baisser le budget de la sécurité extérieure de la France, de l'armée, ce qui a provoqué la démission très courageuse d'ailleurs du chef d'état-major des armées, moins 800 millions d'euros, alors que la France est engagée sur des théâtres d'opérations extérieures qui nécessitent impérativement non seulement de conserver ce budget de la défense, mais même de l'augmenter. En même temps, il baisse de 500 millions d'euros le budget de la sécurité intérieure, de la France, de la police, de la gendarmerie, alors que jamais la délinquance, la criminalité et même la menace terroriste n'ont été aussi fortes en France. Et puis, parallèlement, il augmente de 300 millions le budget pour accueillir des migrants. Pour accueillir des migrants aux frais du contribuable, en les logeant gratuitement, alors qu'il y a des millions de Français qui sont mal logés, qu'il y a des dizaines de milliers de Français qui vivent dans leur voiture ou dans la rue. Non seulement il y a un scandale démocratique dans cette immigration massive, parce que jamais on a demandé aux Français s'ils la souhaitaient, et qu'évidemment, et nos équipes politiques le savent bien, s'ils avaient demandé par référendum aux Français « voulez-vous arrêter l'immigration ?», eh bien ça aurait été un plébiscite pour arrêter l'immigration. Donc il y a un scandale démocratique, mais s'ajoute à cela
une injustice insupportable parce qu'on fait pour les migrants, même clandestins, ce qu'on ne fait pas pour les Français. Et c'est ça qui est absolument révoltant. Et évidemment, si le Front National n'est pas là pour le dire, il ne faudra pas compter sur les autres. Si le Front National n'est pas là pour dire que c'est un scandale que l'État achète 62 hôtels Formule 1 au groupe Accor via une filiale de la Caisse des dépôts pour loger des clandestins, eh bien personne ne le dira, parce que les Républicains, on le voit bien, ils ont été les promoteurs de cette politique d'immigration. C'est eux, avec Chirac, dans les années 70, qui ont organisé le regroupement familial, c'est-à-dire le caractère massif de cette immigration, et ensuite, ils ne l'ont jamais freiné, notamment parce qu'ils y voyaient un moyen de peser à la baisse sur les salaires et sur les droits sociaux des travailleurs français. Celle qui a organisé une véritable invasion de l'Europe, c'est bien Mme Merkel, qui est de la même famille politique que la droite française. Et bien Mme Merkel, elle l'a pas fait par philanthropie, de faire venir 1,5 million migrants en Allemagne. Elle l'a fait pour faire venir des esclaves, pour évidemment diminuer le coût du travail en Allemagne, et par ricochet d'ailleurs sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, grâce à la fois à la suppression de toute protection économique et de toute protection douanière à l'intérieur de l'Union européenne, et grâce aussi à Schengen, c'est à la libre circulation des capitaux, des biens et aussi des personnes, qui fait que ceux qui arrivent en Allemagne ou qui arrivent en Italie, qui vont en Allemagne d'abord, ils peuvent demain être en France. Et évidemment, c'est une concurrence absolument insupportable contre laquelle nous ne pouvons pas lutter, qu'ils ont d'ailleurs organisé savamment, s'agissant de l'immigration légale, avec le détachement des travailleurs, qui ajoute à la concurrence déloyale internationale, la concurrence déloyale à l'intérieur de l'Union européenne. Eh bien, une fois qu'ils ont mis en place tous ces mécanismes de dérégulation, qu'ils ont supprimé toutes les protections, qu'ils ont organisé la concurrence déloyale à tous les États, eh bien, on a 6 millions de chômeurs et on a 9 millions de pauvres. Voilà la situation du pays. Alors, mes chers amis, je sais, parce que vous êtes des militants, parce que vous êtes lucides, que malheureusement, tout ça, vous savez. Et évidemment, l'objectif pour nous, ça n'est pas simplement de décrire la situation, mais d'apporter des solutions. Indéniablement, 2017, ça a été l'occasion pour le Front National de convaincre beaucoup de Français sur notre projet. Et parce que vous êtes des militants, vous avez vu aussi les points sur lesquels nous n'avons pas été suffisamment audibles, les points sur lesquels nous n'avons pas encore totalement convaincu. Et là, c'est le travail que nous devons faire, et c'est un peu le chantier des prochains mois dans le cadre de la refondation, c'est-à-dire bien identifier les sujets sur lesquels on doit faire en sorte que les Français aient une vision juste de notre projet, loin des caricatures qui sont souvent colportées par nos adversaires. Alors, incontestablement, la fermeté que nous défendons pour restaurer et protéger l'identité de la France face à l'islamisme radical et à l'immigration, ça nous a permis de rassembler très largement. Indéniablement, nous sommes les plus légitimes sur ces questions d'identité, sur la question de la sécurité, parce que nous avons été à l'avant-garde, parce que depuis des décennies, le Front National dit la vérité. Et honneur aux militants les plus anciens, les plus chevronnés, qui ont eu cette lucidité quand toute la classe politique bêlante nous expliquait que l'immigration était une chance pour la France. Et puis, il y a des sujets sur lesquels on a vu, nous devons préciser notre projet, rassurer les Français, et faire en sorte qu'ils aient une vision de notre programme qui corresponde à la réalité et pas ce qu'en disent nos adversaires. C'est vrai en particulier s'agissant de notre projet européen. Nous sommes à 1 an et demi des futures élections européennes. Mylène l'a dit tout à l'heure, c'est la prochaine bataille que nous mènerons ensemble, prochaine bataille électorale. Et c'est l'occasion pour nous, la préparation de cette bataille, de préciser les choses. Nous sommes profondément européens, profondément attachés à la civilisation européenne, conscients que nous avons à la fois une histoire, une culture commune et un destin commun avec les autres nations, mais nous sommes résolument critiques à l'égard de cette Union européenne dont on nous disait qu'elle apporterait l'emploi, la croissance et la sécurité, qui nous a apporté le chômage de masse, la casse sociale, l'immigration massive, l'insécurité et même le terrorisme. À mesure des traités successifs depuis 1957, de
en passant par Maastricht, par les accords de Schengen, par le traité de Lisbonne, imposé contre la volonté du peuple, en bafouant le référendum de 2005, ils ont construit une Europe, une Union européenne technocratique, bureaucratique, entre les mains de gens qui n'ont pas de légitimité, une Commission européenne qui est non élue, et qui, à la fois, est désastreuse dans son fonctionnement, précisément parce qu'elle ne donne jamais la parole au peuple, qu'elle méprise les peuples et qu'elle méprise même les gouvernements légitimes et élus dans certains pays, et aussi parce que toutes les orientations politiques de cette Union européenne eh bien, vont à l'inverse de l'Europe, des intérêts vitaux de l'Europe. Et c'est là que notre projet est européen, et c'est le leur qui ne l'est pas. Ils ont construit une anti-Europe. Ils ont organisé l'impuissance collective de nos nations. Parce qu'en supprimant non seulement toutes les protections à l'intérieur, en essayant de gommer les spécificités qui précisément font la richesse de l'Europe, les identités, les particularismes des nations, ils y ont ajouté la suppression de toute protection à l'extérieur. Et les mêmes qui nous disaient « mais on va abaisser les droits de douane entre la France et l'Espagne, vous n'y voyez pas d'inconvénient ». Eh bien c'est les mêmes qui nous disent maintenant « il faut supprimer les protections douanières avec le Canada, avec les pays d'Amérique du Sud, avec la Nouvelle-Zélande ». Et à ce moment-là, eh bien, on a des produits qui arrivent de ces pays-là, qui ne respectent pas du tout les mêmes normes sanitaires, les mêmes normes sociales, les mêmes normes environnementales, et évidemment ça crée une concurrence totalement sauvage. Et bien pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont jamais cherché à construire une puissance collective de nos nations. Ils conçoivent l'Union européenne, et ça c'est vrai aussi bien de la gauche que de la droite, comme une espèce d'étape intermédiaire vers le grand village global. Parce que l'idéologie profonde qui les anime, c'est ce mondialisme ultralibéral totalement débridé, où toute l'identité des individus est niée, méprisée et piétinée. Et d'ailleurs, ils méprisent la nation, ils veulent détruire la nation comme ils veulent détruire les autres strates de l'identité, que ce soit les entreprises en tant que corps social, que ce soit les familles à qui ils portent des coups très durs, et ça n'est pas un hasard, ils veulent en fait détruire tout ce qui fait l'identité des individus et des peuples. Et on touche là à l'essentiel. Nous savons que le grand défi de demain, ce sera la capacité de la France, de la nation française, du peuple français, mais aussi des autres nations européennes, à s'affirmer sur la scène mondiale contre à la fois cette folle idéologie mondialiste et contre le danger majeur que constitue un islamisme radical, conquérant, qui aujourd'hui non seulement est à nos portes, mais qui est déjà largement installé sur notre sol en raison de la lâcheté et de la veulerie des gouvernements successifs. Alors oui, nous allons, dans la future bataille électorale, défendre une Europe des nations, une Europe des coopérations, une Europe souple et pragmatique qui respecte les nations qui la composent et qui, par-dessus tout, respecte le verdict des urnes, c'est-à-dire les choix des peuples. Aujourd'hui, on le voit bien, quand un chef d'État courageux comme Viktor Orban en Hongrie ou comme le gouvernement polonais refuse, par exemple, les quotas de migrants, eh bien, immédiatement, ils sont tapés sur les doigts par M. Juncker. M. Juncker, vous savez, c'est le président de la Commission européenne qui parle aux extraterrestres. Le lendemain du Brexit, le pauvre garçon, un peu perturbé par les événements en Grande-Bretagne, nous avait dit dans l'hémicycle du Parlement européen « Ah, c'est très inquiétant le Brexit, et tout le monde est très inquiet, j'en ai parlé aux dirigeants des autres planètes qui sont tous très inquiets. » On voit, il ne faut pas rester trop longtemps dans les institutions européennes parce que ça n'améliore pas la santé. Eh bien, ce monsieur Juncker, aujourd'hui, il veut imposer, finalement, sa vision de technocrate à des nations qui ont fait des choix démocratiques. Eh bien, il faut en finir avec ce système-là. Ça, c'est l'Union européenne qui, non seulement ne marche pas, mais organise, eh bien, le chômage, l'insécurité et les désordres sociaux. Nous, eh bien, nous construirons une autre Europe et nous savons que nous ne sommes pas les seuls. Ça n'est pas une utopie, ça n'est pas évidemment la France contre les 27 autres pays de l'Union européenne. Le projet que nous défendons, eh bien, c'est un projet qui est de plus en plus partagé. On a vu le choix radical des Britanniques, parce qu'ils n'en pouvaient plus de ce fonctionnement de l'Union européenne qui allait à l'inverse de leurs intérêts. Mais on voit la Pologne, on voit la Hongrie, on voit la Slovaquie, on voit des pays comme la Bulgarie qui sont lucides et qui ne veulent pas avoir M. Juncker
et ses amis qui décident de tout ce qui doit se passer à l'intérieur de leur pays. Et puis on l'a vu avec des pays où nous n'avons pas encore gagné, mais où les forces patriotiques progressent de façon spectaculaire. Nos alliés de l'AFD en Allemagne, leur croissance spectaculaire, les 13% obtenus, 92 députés au Bundestag, ça a été la réponse du peuple allemand à la politique migratoire de Mme Merkel. Et puis en Autriche aussi, où nos amis du FPÖ ont connu une nouvelle croissance électorale spectaculaire, ils sont en pleine négociation pour une alliance gouvernementale avec la droite conservatrice. On voit bien que les lignes bougent de manière accélérée et le projet d'une Europe de l'identité, d'une Europe de la sécurité, d'une Europe de la prospérité et des libertés fondamentales, eh bien, c'est le projet qu'elle va en coupe parce que nous assistons aujourd'hui au réveil des peuples et au réveil des nations. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels les Français nous attendent, sur les questions économiques aussi, et c'est d'ailleurs l'occasion, le chantier de la refondation du Front National, c'est le moment aussi de bien présenter notre projet tel qu'il est. Nous voyons bien aujourd'hui que la politique menée par les gouvernements successifs, que ce soit Sarkozy, Hollande, maintenant Macron, eh bien elle consiste finalement à cumuler tous les défauts du socialisme et tous les défauts de l'ultralibéralisme. On a un État omnipotent, tentaculaire, qui paralyse l'activité économique par une fiscalité confiscatoire, aussi bien d'ailleurs sur les entreprises que sur les ménages. Et puis on a dans le même temps un État qui n'assume plus aucune de ses fonctions de protection de l'économie, qui nous laisse l'économie française ouverte à tous les vents du mondialisme, avec les ravages que ça provoque. Eh bien, notre projet, contrairement à ce que nos adversaires voulaient faire croire, et contrairement à une idée qui avait peut-être été entretenue par certains qui nous ont quittés récemment, ça n'est pas un projet étatiste. Nous ne voulons pas un État obèse, nous voulons un État fort, un État protecteur, qui assume ses fonctions fondamentales, qui organise le patriotisme économique pour que les entreprises françaises soient prioritaires dans la commande publique française, qui organise les protections douanières, les quotas, les droits de douane, les contingentements, à chaque fois que c'est nécessaire, pour empêcher la concurrence déloyale. C'est le rôle de régulateur. Un État qui organise l'aménagement du territoire pour pas qu'il y ait des territoires entiers qui soient totalement abandonnés. Cette France des oubliés qui aujourd'hui souffre dans l'indifférence générale des pouvoirs publics qui concentrent tout l'argent et toute la communication sur les grandes agglomérations. Un État qui assume donc ses fonctions et en même temps un État qui baisse les charges, qui baisse la fiscalité, qui laisse respirer l'économie française, qui laisse le génie français s'exprimer, parce que sinon, eh bien, nous allons continuer à avoir des pans entiers de notre économie qui progressivement vont être affaiblis ou vont disparaître. Eh bien, notre projet, il est celui-là. Un État qui assume ses fonctions, mais en même temps, la liberté économique, la liberté d'entreprendre que nous défendons, évidemment, avec acharnement. Alors, l'ensemble de notre projet, eh bien, nous aurons l'occasion aux différentes batailles électorales de l'exprimer. Les européennes en seront une, mais il y aura aussi derrière des élections municipales où nous allons pouvoir parfaire notre maillage territorial, renforcer encore la présence partout du Front National, gagner des villes qui seront autant de vitrines comme le sont déjà les 10 villes qu'on a gagnées en 2014, qui montrent que le Front National sait gérer et sait mieux gérer que ses adversaires. Les gestions de nos communes, que ce soit à Villers-Cotterêts, pas loin d'ici, que ce soit à Hayange, à Fréjus, eh bien ce sont des modèles de gestion municipale, comme le sont d'ailleurs les plus petites communes, dont certains maires sont présents ce soir, dans l'Oise ou ailleurs, qui sont aussi gérées par les maires Front National. Les mairies Front National sont des exemples parce que nous avons baissé les impôts, nous avons amélioré la sécurité, nous avons réduit la dette, tout en maintenant les investissements. Comment ? Eh bien, en faisant la chasse au gaspillage, en faisant la chasse aux dépenses inutiles et en servant l'intérêt général, c'est-à-dire le contraire de ce que font la plupart des maires de droite et de gauche qui pensent à une chose, non pas à l'intérêt général, non pas à ce qu'ils peuvent faire pour leurs administrés, mais à ce qu'ils peuvent faire pour être élus la fois suivante. Voilà. Et en général, eh bien, cette tournure d'esprit les conduit à faire du clientélisme, quand ce n'est pas du communautarisme, à s'acheter telle ou telle catégorie d'électeurs en espérant qu'ils votent pour eux la prochaine fois. Mais quand on fait ça, eh bien, on dilapide l'argent public au détriment de l'intérêt général. Eh bien, c'est exactement le contraire de ce que font les maires Front National. Il nous appartiendra d'avoir en 2020
beaucoup d'autres communes que nous allons conquérir et qui seront la démonstration d'un Front National qui est arrivé à maturité, qui est capable de diriger des communes, diriger des collectivités et si possible des grandes collectivités, parce que ce sera aussi une étape vers la conquête du pouvoir. Mes chers amis, j'ai pas l'intention de vous priver de dessert, donc rassurez-vous, j'ai bientôt conclure. Nous sommes aussi, à plus court terme, engagés dans ce chantier de la refondation. C'est un chantier important parce que c'est le moment où les adhérents que vous êtes, ou les militants que vous êtes, ont la parole. Vous avez l'occasion, par le questionnaire qui vous a été adressé et que j'espère vous avez retourné, de vous exprimer sur tous les sujets, sur nos thèmes de campagne, sur notre programme, sur notre stratégie, sur notre organisation, sur notre communication, sur le nom du Front National, sur toutes ces questions-là, eh bien, vous avez la parole, alors prenez-la, faites-vous entendre. Je le sais, pour parcourir nos fédérations partout en France, non seulement en métropole, mais même en Outre-mer, que souvent, les adhérents que vous êtes trouvent qu'ils n'ont pas suffisamment la parole, et je pense que c'est un sentiment légitime, parce que nous sommes absorbés par les batailles électorales successives, et nous n'avons pas toujours le temps de la réflexion. Donc, profitez évidemment du fait que la parole vous est donnée pour vous exprimer, vous faire entendre. Le Front National, c'est vous. Le Front National de demain, il vous ressemblera. Et le Front National de demain, il rassemblera. C'est-à-dire qu'il rassemblera toutes celles et tous ceux qui ne sont pas encore parmi nous, ne sont peut-être même pas encore des électeurs du mouvement, mais qui finalement sont d'accord avec nous sur l'essentiel et aspirent, ou en tout cas ont vocation à nous rejoindre. Nous avons donc du pain sur la planche avec ces différents chantiers. Le chantier de la refondation, bien sûr, avec le congrès du Front National au mois de mars, les futures batailles européennes et municipales. Mais dès maintenant, nous devons être en première ligne, sur le terrain, reprendre les balais, reprendre pour aller coller, reprendre les piles de tracts, pour être aux côtés des Français, au moment où nos compatriotes eh bien, voient très concrètement que les promesses de Macron se sont envolées et que les promesses de changement se sont envolées et que finalement il n'est que le continuateur d'un système à bout de souffle qu'il va falloir remplacer, et c'est nous qui allons le remplacer. Alors mes chers amis, vous avez une mission au travers de ces différents chantiers, c'est de redonner l'espoir à nos compatriotes. Parce que ce qui guette le plus gravement notre peuple aujourd'hui, c'est évidemment le désespoir. Ils ont essayé la droite, elle a échoué, elle les a trahis et déçus. Ils ont essayé la gauche, elle les a trahis et déçus. Ils ont essayé Macron, qui est un hybride entre la droite et la gauche. Il est en train de les trahir, de les décevoir et même de les écœurer. Et avant même de les avoir déçus et écœurés, il les a méprisés en les traitant d'illettrés, de fainéants, comme il l'a fait encore récemment. Eh bien, nous, notre mission, la mission de la communauté militante que nous formons, eh bien, c'est de redonner l'espoir aux Français, de leur montrer qu'il y a une autre voie possible, de leur montrer que le déclin n'est pas inéluctable. C'est vrai que la France va mal, c'est vrai que tous les voyants sont rouges, c'est vrai que le chômage est endémique, c'est vrai que les comptes publics sont totalement plombés. C'est vrai que nous avons à subir une immigration qui génère une insécurité de plus en plus généralisée, y compris dans nos campagnes. Mais en même temps, comme souvent dans l'histoire de France, eh bien ça tient à une poignée d'hommes et de femmes de montrer la voie du renouveau, de montrer la voie de la renaissance. Et c'est la mission historique qui est la nôtre. Par-delà nos petites personnes, par-delà les fonctions que nous occupons les uns ou les autres, dans le mouvement, quel que soit notre degré de responsabilité, la mission que nous avons, eh bien, c'est celle qu'ont eu des hommes et aussi des femmes dans l'histoire de France, montrer la voie du renouveau, montrer la voie du redressement, montrer la voie du peuple de France et de ses intérêts vitaux.